Shalom, bonsoir, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je suis votre sœur Avril et je vous retrouve pour faire un temps de prière comme l'a ordonné le Seigneur. Donc on va commencer à invoquer le Seigneur dans nos esprits. Loué soit l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Béni soit l'Éternel des armées, Jésus-Christ notre Roi. Amen. Alors le Seigneur, il veut qu'on prie pour le corps église de Jésus-Christ et pour la création. Amen. Donc on prie en se basant sur deux versets bibliques. Sur 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Et sur Romains 8, versets 18-19. Amen. Éternel des armées, Jésus-Christ notre Roi, toi la parole fidèle et véritable, nous te prions, comme tu nous l'as ordonné ce soir, pour les membres de ton corps Église, qui sont pressés de toute manière mais pas réduits à l'extrémité, qui sont dans la détresse mais pas dans le désespoir, qui sont persécutés mais qui ne sont pas abandonnés, qui sont abattus mais qui ne sont pas perdus, qui portent, nous prions pour tous ceux qui portent dans leur corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans leur corps. Nous estimons, Seigneur, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir que tu as réservée à tes élus, à tes enfants. Et aussi nous prions, Seigneur, pour la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, du corps d'Emmanuel, la résurrection du corps Église de Christ. Nous prions pour la création, Seigneur, qui a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause du mal et des ténèbres, à cause d'Adam et d'Ève qui l'y ont soumise. Nous espérons comme elle, Seigneur, nous espérons comme elle, Seigneur, ton avènement, ton retour, le retour de la paix sur terre, la réconciliation de Dieu avec sa création. Nous espérons de nouveau que Dieu règne en maître sur terre comme au ciel. Nous espérons que la sainteté remplisse le monde. Nous espérons voir la justice régner, donc Jésus-Christ. Nous prions pour que l'Éternel renverse tous les temples d'idolâtrie, les religions, les sectes, les traditions, les coutumes d'hommes, les partis politiques, les modes, les fêtes, tout ce qui déplaît au Saint-Esprit. Nous prions pour que l'Éternel l'anéantisse au nom de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Amen. On va prier maintenant, les amis, sur les versets du jour, parce que c'est ce que l'Éternel nous a dit de faire. Amen. Alors j'espère que c'est pas trop fort là le son là. Donc on va prier, les amis, sur 1 Corinthiens chapitre 12 et après sur 2 Corinthiens 4. Louons l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Rendons grâce à Dieu qui a des oreilles pour entendre nos prières. Amen. Si vous avez besoin de prier pour un péché en particulier, parce que vous avez péché, c'est important, c'est la priorité, les amis.
Prier pour un malade, c'est quelque chose, d'accord? Mais c'est pas une priorité. La priorité, c'est la sainteté. Et comme je vous ai expliqué cet après-midi dans mon live, quand tu as la sainteté, tu guéris de maladies miraculeusement. Parce que la sainteté de Dieu qui vit en toi, c'est une bénédiction. Et elle chasse la sainteté. La sainteté chasse les malédictions, donc les maladies. Amen. Ce qui explique qu'il y a des guérisons miraculeuses où il n'y a même pas eu besoin d'intercéder ou de prier. Voilà, il y a des gens qui sont guéris du jour au lendemain et ils savent que c'est le Seigneur qui les a guéris. C'est la sainteté du Christ qui a habité en toi et la sainteté de Christ te guérit de tes maladies. Il faut que tu aies la foi en ça et que tu gardes ça dans ton esprit. La priorité, c'est vraiment si vous êtes en état de péché, si vous avez besoin qu'on prie pour vous. Amen. Moi, j'aurais besoin qu'on prie pour moi parce que je suis grincheuse encore ce soir. J'ai des problèmes dans mes émotions, dans mes émotions. J'ai passé du bon temps tout à l'heure avec le Seigneur, tout allait bien. Mais il y a quelque chose qui fait que je ressens de la colère et que je suis triste. Donc on va prier ensemble, les amis. Loué sois-tu, Éternel, notre Dieu, car tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Par la parole fidèle et véritable de Jésus-Christ, Éternel, entends ma prière. Je te prie parce que j'ai des gros problèmes, Seigneur, émotionnellement. Je me suis lavée dans le corps et le sang de l'agneau. Je suis venue à l'église ce soir. Mais je ne suis pas venue volontairement, je suis venue à contre-cœur parce que j'avais de la colère en moi. Pourquoi? J'en sais rien. Seigneur, tu connais mes blessures, tu connais ma vie, tu connais mon vécu. Tu sais mieux que moi ce qui se passe en moi parce que tu vis à l'intérieur de moi par ton Saint-Esprit. Tout mal concourt au bien des justes. Et je prie de tout mon cœur que le temps que cette colère, elle sera là, ou le temps que je serai triste, grincheuse, eh bien, je prie, Seigneur, que tu me gardes de péché. On peut se mettre en colère, mais on ne doit pas s'endormir dans la colère. Et on ne doit pas avoir de gestes menaçants ni de paroles mauvaises. J'ai déjà péché comme ça contre toi, Seigneur. Je n'ai pas envie de recommencer. Merci, Seigneur Jésus, d'apaiser mon cœur, d'apaiser mon esprit. Sois loué, Éternel des armées, car je sais que tu as entendu ma prière. Amen. Shalom, José. Paix du Seigneur avec toi. Donc, on va prier sur 1 Corinthiens, les amis. Amen. Ben, je me sens déjà beaucoup mieux. Je vous assure, il m'a apaisé, là je me sens déjà beaucoup mieux. Du coup j'ai envie de changer l'image parce que le grincheux du Christ, là ça fonctionne plus. j'ai des problèmes émotionnels et ça a été toute ma vie, ça m'a suivi toute ma vie. Le Seigneur il me supporte, je fais des grosses crises de colère. J'ai fait des grosses crises de dépression nerveuse, des grosses crises. Et ça a tendance à revenir. Et puis quand ça revient comme ça, je me sens mal parce que je me dis, ça y est, c'est de nouveau, c'est encore là. Je me sens dépassée. Parce que je ne sais plus, à force, je ne sais plus, tu vois. Je ne sais plus comment réagir aussi, hein, face à moi-même, face à des comportements qu'on sait toxiques. Mais qu'on ne peut pas contrôler non plus. Parce que c'est là, c'est en nous. Mais le Seigneur peut apaiser nos esprits, nos cœurs. Et aussi la souffrance de nos corps. Amen. C'est des souffrances, les amis, qu'on garde en nous. Amen. C'est des douleurs qu'on garde en nous.
et elles ont tendance par moments à se réveiller parce qu'on n'en est pas guéri en fait. Et on a vraiment besoin de prier. Le Seigneur nous en appelle. Donc on va prier les amis. On va louer l'Éternel, on va lui rendre grâce par Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, parce qu'il nous accorde des dons spirituels. Mon juste vivra par la foi. On doit se décharger sur le Seigneur de tout ce qui nous fait du mal, que ce soit à l'intérieur ou dans nos pensées ou dans notre corps. Chaque personne, chaque individu souffre à sa façon, dans l'esprit, dans ses pensées, dans son âme ou dans son corps. Mais on souffre tous et on doit se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Éternel, nous te rendons grâce parce que ce soir nous sommes unis en ton nom. Et les élus et moi-même, nous prions pour tous les membres de ton corps qui souffrent dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Nous te prions, Seigneur, de les aider à mettre des mots sur leurs maux. Et nous te prions, Seigneur, d'apaiser leur esprit, leur âme, leur corps. De mettre ta main sur leurs blessures, Seigneur, car c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es l'esprit de réconfort, l'esprit consolateur. Tu es notre bénédiction, notre source de vie, notre source de joie. C'est toi, Seigneur, qui chassera toutes les malédictions que nous avons reçues. Tous les maux qui sont en nous, Seigneur. Là où j'ai du chagrin, Seigneur, mets ta joie. Là où les membres de ton corps ont du chagrin, Seigneur, mets ta joie. Là où les membres de ton corps ont des tristesses, Seigneur, mets ta joie, mets ta paix. Que toutes les bénédictions de Jésus qui sont en lui, toutes les vertus profondes de Dieu qui apaisent et qui soulagent, touchent tous les membres de son corps, l'Église. Tous ceux que Dieu considère comme ses enfants, la ville sainte, la race des élus rachetés. Au nom de l'agneau immolé, amen. Seigneur, nous te louons pour tous les dons spirituels et les dons charnels. Tu as donné encore aujourd'hui aux justes et aux injustes. Sois loué et béni éternel des armées, par Jésus-Christ, la parole fidèle et véritable. Amen. Seigneur, tu ne veux pas qu'on soit dans l'ignorance. Alors délivre ceux qui sont encore dans l'ignorance, Seigneur. Je prie pour les membres de ton corps, la race élue, la ville sainte. Au nom de Jésus-Christ, je prie le Père, l'Éternel des armées, le Saint-Esprit. Que Dieu ne laisse aucun de ses membres, aucun de ses enfants dans l'ignorance. Que Dieu les délivre des pratiques païennes. Que Dieu les délivre des idoles. Que Dieu les conduise dans les verts pâturages. Que Dieu les conduise auprès du bon berger, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Amen. Père éternel, tu veux te manifester dans tous les membres de ton corps. Toi, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Très-Haut. Que Jésus ne soit pas anathème, Seigneur. Que Jésus se révèle dans chacun des membres de ton corps, Église. Dans chacun des membres de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Car Jésus est le Seigneur. C'est lui qui fait naître de nouveau par son Saint-Esprit. Il est le nouvel Adam.
Que Jésus-Christ remplisse tous les cœurs. Que Jésus-Christ guérisse tous les esprits, toutes les âmes qui souffrent. Et que Jésus-Christ change les corps, ces corps de poussière et de mort, en la même image que sa propre gloire, que son propre corps. Pour la gloire de l'Éternel des armées et notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Louons l'Éternel, bénissons son nom, car l'Éternel nous a visités en la personne de Jésus. L'Éternel aime la diversité. Il veut sauver des peuples, des foules, des langues, des tribus. Il y a un seul esprit, un seul et unique Dieu, qui est dans la personne de Jésus-Christ. Son nom est l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel pour le don de son Fils unique, pour le don de son Esprit, pour tout le bien qu'il nous fait malgré le mal que nous avons fait, pour tout le bien qu'il nous fait faire et tout le mal qu'il anéantit dans nos vies. Louons l'Éternel, car il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le berger des brebis, il est le maître, l'enseignant, le rabbi, il est le Père, il est l'Esprit, il est le réconfort, la source dont nous avons besoin. Il est le Dieu suprême qui opère tout en tous. S'il doit maudire, il maudira. S'il doit bénir, il bénira. Louons l'Éternel, car il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Que l'Esprit du Seigneur se manifeste en chacun de vous, comme l'Esprit du Seigneur se manifeste dans son royaume de sainteté. L'Éternel nous a accordé l'Évangile, l'Éternel est béni, car ce sont des paroles de sagesse qui rassasient nos âmes, qui guérissent nos âmes. Que Jésus-Christ accorde la paix dans nos âmes, dans nos esprits et dans nos corps. Que Jésus-Christ soit la paix pour notre création, notre monde. Par son sang glorieux, que l'Éternel accorde ce soir à ceux qui les lui demandent. Amen. Éternel des armées, par Jésus-Christ mon Sauveur, je prie pour tous les membres de ton corps qui ont abandonné la foi, qui se sont tournés vers des doctrines de démons. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont perdu leur zèle, leur premier amour. Pour tous ceux qui se sont éloignés de toi, qui n'ont pas travaillé, qui ont des manquements, comme moi, j'ai des manquements. En ce moment, j'ai beaucoup de manquements, Seigneur. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui sont captivés par des discours d'hommes, qui sont séduits, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui ont été faibles au combat, tous ceux qui ne luttent plus, Seigneur. Je te prie d'opérer ce soir, Seigneur Jésus, encore des miracles dans les membres même de ton corps, Église, et de ramener à toi tes enfants, tes brebis qui se sont égarés, Seigneur. Aucune des brebis ne manquera, tu as dit Seigneur. Je prie l'Esprit du Très-Haut d'aller chercher ce soir ces enfants dispersés et de les ramener au bon berger, de les ramener à l'amour de la vérité, à l'Évangile. Pour la gloire du nom de l'Éternel et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, que Dieu exauce si c'est sa volonté. Amen.
Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Accorde-nous, Seigneur, de nous soumettre à ta divine volonté, car tes pensées ne sont pas nos pensées. Tes voies ne sont pas nos voies. C'est pour ça que je suis en colère encore contre toi, Seigneur. Parce que tu fais des choses dans ma vie que j'accepte pas, Seigneur. Je prie pour moi et pour les élus, Seigneur, les membres de ton corps qui sont dans le même cas que moi, ceux qui n'acceptent pas ta volonté, Seigneur, ceux qui ont tendance à se rebeller parce qu'ils pensent dans leur esprit savoir ce qu'il y a de mieux pour eux et ne te font pas assez confiance pour lâcher prise sur leur volonté. Apaise-nous, Seigneur, ce soir, mets ta main. Mets ta main puissante, ô Jésus. Mets ta main de pouvoir et de toute autorité sur nous, Seigneur Jésus. Et fais-nous lâcher prise sur nos pensées, sur nos voies, sur ce qu'on croit meilleur pour nous que ce que toi tu as décidé de faire. Fais-nous accueillir avec joie toute décision qui viendra de toi, Seigneur, toute ta volonté. Fais-nous nous soumettre, Seigneur. Fais-nous l'accepter. Entendant fidèle et véritable parole de Dieu. Entends ma voix, entends ma prière. Amen. C'est l'Esprit du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui opère toutes choses et qui les distribue à chacun d'entre nous, les membres de son corps, comme il veut. Seigneur, je prie pour tous les membres de ton corps qui peuvent ressentir de la jalousie ou de l'iniquité, de l'injustice, parce que tu vas donner 10 talents à un et 4 à l'autre, parce que tu distribues les dons comme tu veux. Et on ne reçoit pas tous pareil. On reçoit tous la vie éternelle, mais on ne reçoit pas tous pareil. Je prie, Seigneur, que tu anéantisses et que tu apaises les cœurs jaloux, les cœurs envieux, les yeux envieux, les esprits qui ragent parce qu'ils ressentent une injustice, parce qu'ils ont la blessure de l'injustice. Libère-nous, Seigneur Jésus, puisque tu es le libérateur, le Messie. Donne-nous de nous contenter chaque jour de ce que tu nous donnes. Et fais-nous accueillir avec joie. Et fais-nous contempler déjà ce que tu nous as donné. Déjà ce que tu as distribué à chacun d'entre nous. Amen. Seigneur éternel, je te prie pour Emmanuel, Jésus-Christ, pour tous les membres de son corps, mais je te prie tout particulièrement pour la tête, le chef de l'Église, notre Sauveur Jésus, qui doit nous juger, qui doit nous supporter, qui doit nous transformer, qui doit entrer en nous, qui nous connaît pécheurs, qui a dû travailler pour nous et offrir sa vie pour nous. Je prie pour le Seigneur, afin que la gloire et l'honneur du Père, l'Éternel, repose éternellement sur lui et en lui. Amen. Viens, Seigneur Jésus. L'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Que celui qui entend dise, viens, Seigneur Jésus. Jésus doit revenir dans la gloire du Père. Amen. L'Esprit du Père repose sur lui, c'est ce qu'il me dit.
Soyez sans crainte, dit le Seigneur. Je jugerai. Et je fais toutes choses selon la volonté du Père. Tout sera fait correctement. Viens, Seigneur Jésus, dans tous les membres de ton corps, les disciples qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et viens aussi dans le cœur de nos frères, pauvres pécheurs, qui marchent encore en étant égarés dans les ténèbres, en étant endormis. Aide-nous, Seigneur, à les réveiller par ton Saint-Évangile. Aide-nous, Seigneur, à te les ramener, à les conduire vers toi. Aide-nous à les aimer, à les supporter, à les réconforter. C'est pour ça que nous avons été baptisés. Pour servir le corps de Christ, pour servir notre Seigneur, pour former un seul corps avec lui. Anéantis, Seigneur Jésus, les origines, les traditions et le système mondial de la bête. Rétablis-nous à l'image de Dieu. Et libère-nous de ne pas être miséricordieux, de ne pas être amour. Abreuve-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, car tu es le dispensateur de l'eau de vie. Au nom de l'agneau immolé, Jésus-Christ notre Roi. Amen. Père éternel, je te prie par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, ton fils unique. Parce que tu nous as donné Emmanuel, tu nous as donné son corps. C'est lui qui vit en nous. Et un œil n'est pas une main n'est pas un pied. Chaque individu travaille selon la volonté du Seigneur. Je prie pour tous les membres du corps de la Nouvelle Jérusalem, donc du corps de Christ, du corps Église, afin que le Saint-Esprit leur renouvelle leur force, leur vigueur, leur énergie, et que tous travaillent dans l'allégresse pour le Seigneur. Tous soient heureux de faire des toutes petites choses même, mais avec joie. Au nom de Jésus. Amen. Louons l'Éternel, car il est digne de louange. Il est très grand dans l'honneur. Il est béni, il est saint. Il est admirable, il est redoutable. Et chérissons Jésus-Christ, la pierre angulaire, le fondement même de la vie, le fondement de notre spiritualité et de ce qui nous réunit ce soir, les amis. Amen. Nous sommes les membres du corps du Christ. Chacun pour sa part. Nous sommes établis par Jésus-Christ Dieu comme son Église. Nous sommes unis aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs, à ceux qui ont des dons de miracle, des dons de guérir, des dons de secourir, des dons de gouverner, des dons de parler diverses langues. On ne fait peut-être pas les mêmes choses qu'eux, mais on est heureux de servir le corps du Seigneur. Et rendons-lui grâce, rendons grâce au Père, au Fils et à l'unité du Saint-Esprit pour tout ça, les amis.
Amen. Père éternel, nous te prions pour que tu nous aides à aspirer aux dons les meilleurs, afin que tu nous fasses montrer la voie qui est excellente. Donc c'est le chemin spirituel du Père, hein. Le Fils est le chemin de vérité, et la voie excellente, c'est le côté du chemin du Fils, qui est le Père, mais dans le spirituel. Amen. On va prendre 2 Corinthiens 4, pour prier dessus les amis. Amen. Père éternel, en Jésus-Christ, c'est par lui, le Saint-Esprit Consolateur, Jésus-Christ, ton Fils qui vit en nous, que je te prie ce soir avec tous les membres de ton corps pour te remercier pour la miséricorde que tu nous as faite. Et je te prie tout particulièrement pour tous les membres du corps de Christ qui sont découragés, qui n'ont pas rejeté les choses honteuses qui se font en secret, qui n'ont pas rejeté leur conduite astucieuse et qui changent la parole de notre Dieu en une doctrine de démon. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à garder la vérité et à publier cette vérité à nos frères, afin que toute conscience d'homme soit remise devant Dieu. Que notre évangile cesse d'être voilé. Car nous ne voulons pas voir nos frères périr. Nous prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Et nous prions même pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence. Là où le péché a abondé, que la grâce de notre Dieu surabonde ce soir encore. Amen. Louons Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu et qui nous a donné la splendeur de l'Évangile, la splendeur de la gloire de Dieu. Amen. Sa gloire. Seigneur, permets-nous de continuer à prêcher, à exhorter, à corriger, à censurer cet évangile de gloire. Car les hommes ont besoin de te connaître, Seigneur, en tout lieu. C'est toi, Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, que nous prêchons. Et nous sommes tes serviteurs à cause de ton nom. C'est toi qui nous as choisis. Que ta lumière, Seigneur Jésus, brille dans les cœurs qui sont encore dans les ténèbres. Nous te rendons grâce et nous te remercions d'avoir fait briller ta lumière dans nos cœurs et d'avoir fait resplendir ton saint évangile, ta connaissance, ta gloire, la gloire de Dieu sur ta face et sur tous les membres de ton corps. Merci de mettre ton Saint-Esprit sur toute chair, Seigneur. Amen. Louons l'Éternel qui, par Jésus-Christ, a répandu par lui pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes désormais la bonne odeur de Christ. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort salaire de leur péché. Aux autres, une odeur de vie qui donne la vie. Et nous, par la foi, nous portons le trésor de vie, Christ, comme des vases d'honneur, comme des vases de terre, mais des vases devenus d'honneur. Amen.
que la grande puissance du Saint-Esprit que Dieu a attribuée à Dieu, notre Sauveur. Agissons-nous tous, les amis, pour la volonté de Dieu. Amen. Portant avec joie dans notre corps la mort de Jésus, même si le monde nous fait la guerre, nous persécute, nous met dans la détresse, nous abandonne, nous fait croire qu'on est perdu. Portons avec joie la mort de Jésus-Christ, car la mort de Jésus-Christ se transforme en résurrection au bout de 3 jours, les amis. Amen. C'est le seul qui est revenu de la mort. Je prie pour tous les membres du corps de Christ qui sont livrés à la mort, au salaire de leurs péchés. Je prie pour tous les membres de Christ qui sont livrés à la mort à cause du nom de Jésus. Que le Seigneur délivre ses enfants et fasse manifester la vie du Seigneur, la vie de Jésus, dans leur chair mortelle. Si la mort a agi en nous, si la mort de Jésus a agi en nous, la vie du Seigneur agira en nous aussi, parce qu'il est la résurrection et la vie. Que le Seigneur fortifie nos foies, nous rende persévérants, miséricordieux, afin qu'on soit heureux et qu'on obtienne miséricorde. Qu'il fasse de nous des débonnaires, afin que la terre soit notre héritage et qu'on la partage avec les enfants de nos enfants. Que Jésus qui a ressuscité Jésus, que le Père qui a ressuscité le Fils, nous ressuscite tous avec lui et nous fasse paraître en sa présence parmi l'assemblée des saints anges. Louons l'Éternel et rendons-lui grâce, car ces mêmes anges font énormément de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent et qui vient au berger. Une seule brebis qui est retrouvée. Amen. Ils ont plus de joie pour nous les pécheurs qui reviennent à Dieu que pour eux les justes qui servent Dieu depuis des siècles et des siècles. Que la grâce du Seigneur se multiplie et fasse abonder la gloire de notre Dieu dans le cœur des hommes. Quand tu as un trésor et que tu ne veux pas te le faire voler, il faut le mettre dans le cœur des hommes. Un homme qui chérira ton trésor ne te le volera pas. Et c'est ce que fait Dieu. Dieu est un trésor. Christ, sa gloire, rempli de vertu. Digne de louange. Et il l'a mis dans nos cœurs, les amis. Nous prions pour la cause de l'Éternel notre Dieu. Il est défenseur des veuves et des orphelins. Il se met en peine des pauvres. Nous prions, Seigneur Éternel, par ton Fils unique bien-aimé, pour ta cause, on s'unit à toi. Amen. S'il te semble bon, Seigneur, alors permets-nous d'assister les veuves, les orphelins et les pauvres.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-nous, Seigneur, de ne pas perdre courage, de ne pas regarder aux choses visibles, mais aux invisibles, de ne pas regarder à notre homme extérieur qui se détruit, au temps qui passe. Mais de regarder à l'homme intérieur que nous sommes devenus. Nous sommes devenus le Christ, celui qui est semblable à Dieu, le Messie. Et de jour en jour, de grâce en grâce que tu nous accordes, on se renouvelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout le bien et tout le mal. Tout mal concourt au bien des justes. Donc merci, Seigneur. Car nos légères afflictions du moment présent vont produire pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de la gloire d'Emmanuel sur nous. Permets-nous, Seigneur, de ne pas regarder aux choses visibles, mais à toi, à ton royaume qui est dans l'invisible. Car les choses visibles ici sur la terre sont passagères. Mais toi, mon Dieu, avec ton royaume, tu es éternel. Louons l'Éternel des armées. Louons Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lui, la parole, notre juge. Bénissons le nom du Père, l'Éternel des armées. Et le nom du Fils, Jésus-Christ. Bénissons l'unité du Saint-Esprit. Et remettons-lui, chers frères et sœurs, notre temps de louange, d'action de grâce et de prière. Si vous avez des prières parce que vous êtes en état de péché ou parce que vous vous sentez opprimé, vous êtes dans une émotion comme moi j'étais tout à l'heure, j'ai été en colère, mais je suis apaisée. Si vous avez une émotion, quelque chose, si vous avez quelque chose, eh bien écrivez-le en commentaire les amis. Amen. On va prier pour vous, les élus et moi-même. Amen. On est là pour ça, les amis. Si vous sentez que vous n'avez pas la paix, si vous sentez que vous avez de la colère, des blessures intérieures qui se réveillent, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous êtes dans le chagrin, dans la peur, dans l'angoisse. Vous êtes troublés. Vous n'êtes donc pas en paix. Vous ressentez de la tristesse, de la colère, de la peur. C'est qu'il y a quelque chose qui se fait en vous. Il y a quelque chose qui est là. En tout cas, si vous ressentez des choses comme ça, que Dieu vous en décharge. Que Dieu vous fasse grâce par Jésus-Christ. Les justes vivent par la foi. Amen. Que Dieu vous restaure dans la paix, les amis. Qu'il restaure vos âmes. Qu'il restaure vos cœurs et qu'il restaure vos corps. Merci Éternel, merci Jésus. Sois loué pour ce moment de prière, d'action, de grâce, de louange. Amen. Les frères et sœurs, je vous embrasse dans la paix du Seigneur. Je reviendrai demain à 14h30 faire un live pour notre Seigneur, selon sa volonté. Je vous remercie d'assister au live. Que la paix soit avec vous. Shalom les amis.